explorer le monde pour moins de 1 000 $ par mois. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, voyager, ça coûte pas si cher et c'est quand même facile et accessible. Il y a peu de gens qui réalisent qu'une semaine dans un tout-inclus, c'est la même chose qu'un mois en voyage en backpack à quelque part de paradisiaque. Alors, voici comment y parvenir. Premièrement, tu choisis tes destinations. Si tu veux voyager longtemps avec 1 000 $ par mois, t'es mieux d'opter pour l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique du Nord, parce que c'est des pays où est-ce que le coût de la vie est beaucoup plus bas. Donc, en voyage, c'est la même chose. Tu vas pouvoir te retrouver à louer, par exemple, un bungalow pour un mois pour environ 300 $. Sois flexible et adapte-toi. Avec des sites comme Ulair et Flytripper, tu as les choix de plein de destinations que tu n'avais pas nécessairement considérées auparavant. Par exemple, tu peux aller en Tanzanie pour 900 $ l'aller-retour ou même à Stockholm en Suède pour 340 $ aller-retour. Donc, ça permet vraiment de découvrir des nouvelles destinations. Et si en plus tu es flexible dans tes dates, bien, tu peux économiser encore plus d'argent sur tes billets d'avion. Un autre bon truc pour les billets d'avion, c'est d'opter pour plus d'escales. Souvent, quand plus tu prends d'escale, moins que le prix du billet d'avion va être cher. Puis c'est un peu la même chose pour n'importe quel type de transport. Souvent, les transports les plus rapides, donc les bus express, ils vont te coûter beaucoup plus cher, tandis que les bus locaux, ils vont durer plusieurs heures, mais ils vont être vraiment plus abordables. Étant donné que le coût de la vie est vraiment différent d'un pays à l'autre, utilise ta logique. Donc, si une bière comme à Singapour coûte 15 $, bien, c'est peut-être pas la meilleure place pour faire une virée des bars. Attends d'être au Cambodge, par exemple, où ça coûte 50 sous. Ou si tu veux explorer la cuisine locale, des fois des pays comme le Danemark où ça te coûte 15-20 € pour un repas, bien, ça vaut plus la peine de faire une grosse épicerie pour une semaine qui va te coûter environ 50 € que de manger tous tes repas à l'extérieur. Un autre bon truc, c'est de voyager en saison basse. On le réalise pas souvent, mais ça peut te faire économiser jusqu'à 60 %, surtout l'hébergement, les activités, même la nourriture parfois est plus basse et moins chère en saison basse. Évite d'acheter des biens matériels pendant que tu voyages. Alors, c'est vraiment tentant d'acheter des souvenirs pour sa famille, ses cousins, ses amis, les voisins. Sauf que, imagine si tu achètes un chapeau traditionnel du Vietnam puis il faut que tu le prennes avec toi pendant 3-4 pays, ouais. Bien, c'est moins agréable. Alors, si tu tiens vraiment à acheter des souvenirs pour ton entourage, peut-être une bonne façon, c'est de les envoyer par la poste. La même chose pour du matériel que tu aurais besoin pour des activités spécifiques. Peut-être que ça coûte trop cher de les acheter une fois rendus à destination ou de les traîner avec toi. Donc, tu peux toujours essayer de trouver les emprunter ou de les louer sur place. Notre règle préférée, c'est la règle du 80-20. Donc, 80 % du temps, tu vas respecter ton budget, mais 20 % du temps, il faut que tu te gâtes. Donc, si on prend 1 000 $ par mois, on le ramène sur 30 jours environ, ça va te revenir à 30 ou 35 $ par jour. C'est correct de temps en temps se permettre des petits luxes de plus parce que tout le temps voyager à budget, ça peut devenir épuisant. Ça vaut la peine d'aller des fois sur un rooftop manger une bonne bouffe ou prendre un verre ou même de se payer une chambre un peu luxueuse de avec temps de en temps. Chaude. Avec de l'eau chaude. Et peut-être même de la clim. Du Wi-Fi. Ah, du Wi-Fi en plus. Partage avec d'autres voyageurs. Donc, c'est une bonne façon de se faire des amis. On se met tous ensemble, on se fait une bonne bouffe à l'auberge jeunesse ou on loue une voiture pour faire un road trip pour vraiment diminuer les coûts. Puis ça m'amène à parler de l'économie du partage ou l'économie collaborative. Donc, avant, on pensait que c'était vraiment destiné là, pour les hippies qui faisaient du pouce, qui vivaient dans des communes, sauf que de plus en plus de startups sont vraiment spécialisées dans l'économie du partage. Par exemple, dans les déplacements, on a BlaBlaCar qui est vraiment gros en Europe, qui est un peu l'équivalent d'Amigo Express. Et puis ça, tu peux choisir en ligne des personnes qui peuvent te prendre en Lyft pour aller d'un point A à un point B. On a Uber, on a Grab qui est vraiment très fort en Asie. Puis tu me parlais aussi de Turo. Oui, Turo, c'est comme Airbnb, mais pour les voitures. Donc, tu vas sur le site puis tu peux louer la voiture de quelqu'un qui ne l'utilise pas pour, je ne sais pas, 20, 30, 40 $. Fait que ça permet vraiment de réduire les coûts. C'est la même chose aussi avec les hébergements. Okay. Fait que oui, il y a Airbnb, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a même des façons qui sont gratuites. Couchsurfing, c'est un site que les gens s'inscrivent et vont te recevoir ce que tu peux dormir sur leur divan. Même des fois, il y a des chambres privées. Puis ça coûte rien. Les autres vont peut-être te faire découvrir aussi leur culture, leur nourriture. Fait que ça, c'est vraiment une bonne façon de voyager vraiment pas cher et d'entrer en contact avec les locaux. Il y a aussi Camp in My Garden, qui est super cool, que c'est des gens qui vont t'accueillir pour dormir dans leur cour, pour poser ta tente. OK. Tu peux utiliser leur douche puis les commodités qui sont présentes chez eux. Cool. Et puis, pour la nourriture aussi, c'est possible de s'intégrer encore plus dans la culture locale avec des sites, par exemple, comme Eat With, où c'est des locaux qui t'invitent chez eux pour te faire découvrir leur cuisine locale. Et puis, tu as vraiment un contact direct avec la culture du pays. Par exemple, Eat With,
En Argentine, tu peux avoir un pool party barbecue avec le vrai, la viande argentine, tout ça, pour l'équivalent de 40 $. C'est comme un repas au restaurant, mais tu es chez quelqu'un avec une vraie personne. Oui, avec une vraie personne, un local. Je pense que voyager en backpack, c'est vraiment important aussi de rentrer en contact avec les locaux. Mm-hmm. Puis une bonne façon de rentrer en contact avec les locaux tout en surveillant ou en optimisant son budget, c'est d'opter pour des sites qui sont comme Workaway, Helpix, Woofing. C'est des sites qui permettent de travailler quelques heures par jour. Donc, on rend des services, puis en échange, les gens vont nous offrir un hébergement, des fois même la nourriture. Ouais. Donc, en Nouvelle-Zélande, par exemple, tu peux aller faire l'embouteillage dans un vignoble 4 heures par jour, puis en échange, tu vas être logé, qu'est-ce qui coûte assez cher en Nouvelle-Zélande, le logement. Puis tu vas pouvoir continuer à réduire ton budget et en profiter davantage. Moi, j'ai trouvé des endroits vraiment paradisiaques, par exemple, sur les îles Fidji, où tu as une famille qui a une maison sur la plage et puis qui cherche un professeur pour leurs enfants quelques heures par jour. Et puis, tu es logé, nourri dans cette famille-là à Fidji. Fait que c'est quand même une très bonne façon de voyager au paradis gratuitement. Pas cher. Alors, si tu cherchais encore des excuses pour voyager, là, on vient de te démontrer que c'est possible pour moins de 1 000 $ par mois. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, go!